je prends la route de Saint-Sport histoire de prendre un peu l'air. Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de Saint-Sport et j'oublie toutes mes galères. Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route pour Saint-Sport histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à Saint-Sport et je vous présenterai des potes. Hey, salut à tous, ici Monia Clouzanet, on se retrouve aujourd'hui pour ce septième épisode de South Park, surtout si je me trompe pas, on est totalement dégueulasse, on est totalement roux de la tête aux chaussettes, et on va aller dans notre lit pour dormir, voilà, c'est un bon résumé des choses, on a récupéré le bâton de la vérité. Ok, cœur maman, bonne nuit, à demain, ouais, salut. C'est un truc. En effet. C'est ce qu'on peut. Non. Je sais pas, c'est pas bon. On peut s'y attendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un visiteur. Même 5 visiteurs d'ailleurs. Voilà. Du coup, on va aller dans le vaisseau des visiteurs comme nous le montre cette image. Ah, on est traîné partout. I'm having a dream again. McKay. Okay. Il lui met des trucs dans le bus, c'est son banal. What's happening? Craig. Oh, Jesus! Jesus Christ! Par contre, oh, monsieur esclave, lui, il est content. Can we try the big silver one again? Oh. Merde, ils vont me mettre des trucs dans le cul, moi aussi, ils vont me mettre une sonde anal. Bordel! Ah, ça va faire mal. Serrer le sphincter. Ah, ouais, avec le pouvoir de mes épées, j'ai réussi à péter ce truc. Ah là, ça va être encore plus chaud là, je pense. Ah, le sphincter, c'est bien plus dur avec ce truc là. C'est bon. Je l'ai pété, l'envahisseur, je sais pas quoi faire. Là, l'envahisseur, le visiteur. Ah, ça me rend même dans le cul. Ah oui, c'est ça qui va me permettre de me téléporter là avec ma sonde anale. D'accord, très bien. Je vois l'utilité. Is this your first time getting probed? Randy. Trop bien, il y a Randy avec nous. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. Ça n'a aucun sens. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free. Kid, you have an incredible control of your asshole. C'est une incroyable maîtrise de mon truc. Ah, j'ai niveau 6 de déverrouiller. Niveau 6, je peux améliorer ma surf break pour avoir plus de dégâts, ce serait pas mal. Je pense que je vais d'abord faire ça. Pour que plus je subisse des dégâts, plus l'inspire mon inspire puissant, comme ça là j'ai mon inspire au niveau maximum, voilà. Maintenant j'ai ma sonde alien, et dès qu'on voit cette espèce de truc bizarre là, ça veut dire qu'on pourra se téléporter. Là par exemple je vais mettre là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais d'accord, donc il faut libérer Randy. Je pourrais pas me téléporter là, si ça. On voit quand c'est bleu c'est qu'on peut se téléporter. Il y a même du café dans l'espace quoi. Ouais, pour moi ici, je vais même tirer sur ce truc là. On dirait qu'on peut tirer dessus. Alors, pas péter, tirer, voilà. Fragment de cristal phosphorescent, d'accord. Donc ça, c'est des bébés aliens que je bute. Aucun aspect. Casque alien. Ah oui, je suis en pyjama. Pardon. Je suis en pyjama. Et rien de pire que le pyjama en fait. Enfin, y a rien. Le pyjama c'est rien en fait. Du coup, je vais mettre tout ce dont sur lequel je tombe. Là, je mets un casque alien et je vois des trucs aliens et tout. Je les mettrai parce que dans tous les cas, ça sert à pas grand chose. Enfin, le pyjama, il se sent toujours mieux que le pyjama sur ça. Petit marteau avec pour l'alarme incendie. Aucun putain de sens. Ah, y a un truc là qui s'est fermé. Dommage. Trouver la salle des commandes. D'accord. Là, il y a un boutique. Alors, je te défonce, je peux pas aller là-bas, non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, hello, is this recording? If you're hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Ok, donc il y a un autre gars. Bon, là, j'ai coupé le truc sans aucun aspect, mais il y a un autre gars, un Clodo, qui est arrivé ici et qui avait réussi à s'échapper. Ah, il y a un alien carbonisé. Voilà, et là je vais pouvoir normalement me téléporter de ce côté-là. Ah non, il m'a frappé à distance. Moi j'ai essayé de le frapper depuis où j'étais, mais non, il m'a frappé à distance. Mou mou. Mou mou. Ah oui, il parle comme les vaches. Ouais.
Les vaches sont les créatures les plus intelligentes de la planète Terre, on le sait. Voilà, si je fais. Voilà, je vais même écœurer. Tout va bien. Ouais, non, mais meurs avec mon grand spirit de David, s'il te plaît. Et. Ah, j'ai failli rater là. Voilà, 79, ça a bien fait mal. Comme. Et j'ai un pistolet à rayon laser. Je sais pas si je vais le prendre, ça dépend si je fais plus de dégâts. Alors, qui fait plus de dégâts? Toi, 38 x 3, 82. Plus 30. Ah, plus 30 d'électricité, c'est pas mal. Parce qu'on a pu voir que les 10% de dégâts lorsque bloqué. Oh, que je prends ça. Donc on a pu voir là quand on a utilisé l'électricité que l'électricité était utile contre les aliens. Oh yeah, yep, that's the lambda containment block. Ok, genre il me parle comme ça. Normal. Il devrait interagir avec. D'accord. Oui d'accord, je peux activer les portes comme ça. Très bien. J'ai compris Randy, merci, heureusement que t'es là. Je prends l'ascenseur. You're looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Tu connais bien le système, Andy. Attends, une seconde, Andy. Costume alien. Ouais. Je vais mettre ça, je pense que c'est... Ouais, non, en fait, j'aurais rien à me rendre parce que... Parce qu'au pire, on s'en fout parce qu'on changera tout ça quand on fera la surface. Donc là, j'ai déjà tout pris, oui. Je vais me téléporter là. Je vais me téléporter là. Oui, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y en a des aliens et là. Ah, un autre truc du cochard. Deuxième jour. Ok, bon, c'est vrai. Peut-être qu'on va retrouver le. Non, je suis pas pété. Peut-être qu'on va retrouver le clochard. Peut-être qu'on retrouvera le clochard une dent qu'on le retrouvera après, j'espère qu'il est encore en vie. Ah, je défonce un mec, bah du coup je peux pas avoir son stuff. C'est triste. Je te bête dessus. J'ai entendu des rires de genre de Cartman en fond. C'est parce que j'ai pété. T'as pas un bouclier? Non, ça va. Ouais, avec un peu de chance, je te one shot. Voilà, 264, get wrecked. Je t'ai défoncé tout. Enfin, comme il fallait. Allez, meurs. Allez, y'a un truc avec lequel on peut interagir là. Ah, je peux pas passer dans là ici, non, je peux pas, pardon. Great, you're there. See if you can free me from that console. Probably not though. It's incredibly advanced alien technology. Vraiment avancé, rien ne peut la faire fonctionner. Oh, c'est un Simon Says. Ah ouais, la technologie alien, bordel. BA. Pour le moment, c'est votre dieu. I can trust you. Keep it up. Waouh, c'est dur. Hein. On a débloqué un pont. Ok, je peux pas aller là-dedans. Si. Alors. Cristal d'un alien. Ah, gagner les aliens détestent l'électricité, c'est bien ce que je me disais. Donc, là par exemple pour mon bâton, j'ai 20 dégâts d'écœurement. Et je veux aussi ça, je vais remplacer par l'électricité. Ça fera bien mal aux aliens. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un enregistrement du clochard, sûrement. Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat or a clue to get me off the ship. Il a rien à manger, il peut pas partir. They're everywhere. For some reason, I listened to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler, useless filler. They're filler that's driving me to madness. Ah. Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Moi, il devient complètement dingue le clochard. Pas une bonne nouvelle, ça. D'accord. Le coffre n'a pas été super utile. Je vais faire ça et je vais activer ça. Mon mec, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Enfin, je pense. Et là, on doit avoir un endroit où c'était. Ah, bah, il y a un truc là-bas aussi. Il a l'air un peu fermé. Bon, on va sur celui-là. Celui-là, il l'a activé. Il a l'air activé. On va ici. Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Je sais pas. Ah, oui, ok. Ah non, moi, je veux juste péter sur le. Sur l'alien. Moi, je voulais pas péter là-dessus. Mais... Crève, voilà. Je t'ai pété dessus aussi, donc t'es écœuré. Mou. L'enfer de David est dans ta face. Je pense pas de ce one shot par contre. Mou. Non, mais 53 PV, toi t'es bientôt mort aussi. Pareil. Mou. Voilà. 22 PV, ah ouais. Si je suis mon pistolet à rayon laser.
Ok, je vais trop tard, mais il est mort quand même, donc tant pis. C'est pas grave. Donc toi, tu me donnes quoi? Ça, très bien. Là, c'est quoi? Ça, ouvre ça. Très bien. Toi, tu me donnes quoi? Ok. Toi, je sais pas à quoi tu sers. Ah, je t'active, là? Tu fais quoi? Ah, c'est des dégâts quand je passe. Ah, d'accord, bah, j'ai compris. Là, je sais pas ce que j'active. Ah, si, j'ai activé ça. Ah, jour 7. Oh, God. Ah, mais oui, Randy, mais du coup, on entend pas trop le clochard, Randy. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. Ok. Je sais ce que c'est cette histoire avec le clochard, mais peut-être qu'on en saura sûrement plus après. C'est bon, il est marqué une sorte d'erreur 404, mais en alien, ici. Bon alors, ici. Ah, encore le Simon Say. Oh, mais j'ai eu bon. Arrêtez d'enculer Randy, là, j'ai eu bon, allez. C'est pas possible, bordel. Y. Et après, je sais pas. Après, c'est. Oh, la prochaine fois sera la bonne, mais quand ils me font un truc possible. Que désolé, mais là, ton cul va prendre cher si ça continue à être des trucs comme ça. Voilà. Il y a même des moments où faut tout faire en même temps alors que c'est pas possible. J'ai essayé tout à l'heure, là, j'ai essayé de tout faire en même temps, c'est pas possible. Oui, mais. S'ils peuvent pas me faire un truc plus simple. Ah, ah. La courbe de difficulté dans ce jeu est... Ouais, les aliens, ils ont bien le concept de courbe de difficulté. Ok, je peux pas ouvrir ça. C'est bien. Alors, trophée du plus gros connard. Ah oui, le plus gros connard de l'univers. Bien. Un terrien. Je vais gagner, je vois que l'épisode traité juste depuis cette fois. Ok, il y a une dernière console, j'imagine. Ouais, j'ai utilisé l'électricité. Comme me le conseille Randy. Non, pas commande de potes, parce que j'ai pas de potes là avec moi. Mais je vais faire ça. Voilà, du coup il y en a un qui est mort là. Toi, t'es mort aussi. Et toi, je te pète dessus. Voilà. Là, je vais bien te défoncer là. Momo. Alors, qu'est-ce que ça te dit comme truc? Une herbe à la foudre écœurée. Je sais pas si. Ouais, je vais quand même faire mon lance-pierre de David, même si il est vulnérable là. Tant pis. Non, non, je vais faire mon. Ma serpe break pour le saigner. C'est bien aussi. Voilà. Là, je lui saigne les couilles. Et du coup, il est en sang, il va prendre des dégâts petit à petit. En plus, il est écœuré. Rage de l'espace. Rageux. Ah, ça, ah, c'est vraiment rageux, bordel. Et mon pistolet rayon alien, ça lui fait plus de, ça lui fait des dégâts. Parce que. Il y a des dégâts d'électricité, donc de mémoire. Ah non, ça lui fait pas tant de dégâts que ça. En fait, j'utilise mon autre arme, parce que mon autre arme a aussi des trucs d'électricité, et bordel, il fait mal. Objet. C'est même pas un boss. Santé petite. Non, je vais prendre l'autre santé, là, celle où j'en avais le maximum. C'est quoi? Ça, santé petite, je vais prendre ça. Cheesy pouf. Et du coup, mon bâton sacré devrait lui faire mal. Je pense. Ouais, parce qu'il y a des dégâts d'électricité. Rage de l'espace, non, pas ça. Non, bordel, tu fais trop mal. Tu fais beaucoup trop mal, mon pote. Potion de santé petite. Je vais prendre celle-là. Et encore les cheesy. Bordel, il fait mal. En plus, je suis 100 x 3. Ah, ouais, ça fait mal quand même. Et je pense que je vais le terminer du coup avec mon lanceur de David. Hein, en tout cas. Voilà, meurs. Ça, je l'ai défoncé. Et là, ça doit être la dernière console. Allez, il y a Randy qui va apparaître, je parie. Non? Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Ok, donc je peux aller sauver Randy. Et je peux mettre. Juste, est-ce que. Oui! Oh oui! Oh oui! C'est dégueulasse. Le style de cet homme est assez discutable. Hein? Le style. Le skill aussi, si on veut. Ok, et les gants, parce que je vais mettre les gants aliens. Que je vais également teindre. Bordel, c'est tellement laid. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a déjà regardé, on a déjà regardé. Allez, retournons là-bas. Allez. Chante. Regarde, sans se rendre compte, t'as juste un peu un truc dans le cul. Ah, il s'est ouvert ce truc-là. Enfin, bon alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, un enregistrement du clodo. Success!
Il y a quelque chose qui ressemble à de la nourriture. C'est une sorte de slime vert fluorescent, c'est jamais bon. C'est tangy et nutty. Ça accompagnerait bien. Ok. Hey, what's happening to me? Ah, il va muter, c'est ça? Par l'allemand. Ah, mais il est là? C'est lui? Bordel. Ah oui! Si je me trompe pas. Voilà, c'est un zombie nazi. Il est immunisé contre les écœurements et vulnérable à ça. C'est un zombie nazi. Et il est doublé par Hitler. Enfin, il est doublé avec des enregistrements d'Hitler. De là, ce qu'on entend, c'est Hitler dans ce jeu. Génial. Bon. Je suis désolé, mais je vais te défoncer, zombie nazi. Appuyez sur A, machin, ok. Allez, les couilles. D'accord, bon, donc il était là, le clochard qui nous parlait depuis le début, c'était lui. Donc, clochard de conspiration alien. Qui a bu un mauvais slim et qui s'est transformé du coup en zombie nazi à cause de qu'il avait bu ce slim. Ah, il est vénère contre moi, mais de toute façon ça sert à rien parce que je suis tout seul, donc dans tous les cas il va m'attaquer. Voilà, désolé clochard, mais voilà. Je vais faire mon bâton sacré, ça va pas lui être super utile par contre. Bon, attends, tant pis, on va faire avec. Ah, c'est lui fait des dégâts d'électricité. Ah, je me suis touché. Pas grave. Je peux toujours faire, c'est combien ça? Si je peux le faire. PP6. Allez. Voilà, 127. Tu vas bientôt crever, je pense. Voilà. Un dégât de plus. Et là. Ouais, bah ouais, dans tous les cas, là, il s'est pris des dégâts de sang. Voilà. Là, il va crever par ses dégâts de sang. Voilà, désolé monsieur le clochard, mais il fallait pas boire ce slim qui vous a rendu lunaise. J'ai eu le chapeau en papier d'alu, d'accord, je sens teuf. Chapeau en papier d'alu, c'est pas... Bon bah, du coup, on sait ce qui est devenu ce clochard, du coup, qui était affamé et qui a mangé de ce slim chelou. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est mieux là? Là, c'est... Ouais, on va mettre le casque en papier d'alu. En plus, comme ça, c'est pas roux, du coup, ça fait pas un truc bien dégueulasse. Ouais, on va rentrer là-dedans, on va sauver Randy. Parce que Randy nous a quand même bien aidé. Et on lui doit au moins bien, Ok, Randy, ok. Je dois utiliser quoi ça? Encore un summon set. Y, X, Y, Y. Y, X, Y, Y. Y, X, Y, Y, A, Y, X, Y, Y, A, Y, X, Y, Y, A, B, Y, X, Y, Y, A, B. La petite musique. Oh, you did it! You did it! Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Ouais, on va être amis avec Randy. Until we meet again. À la prochaine, Randy. Cœur. Ouais, on a Randy comme ami. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui est tombé du coup? C'est un cristal de puissance lance un objet de quête, c'est d'accord, donc ça va nous être utile. Pénétrer dans le cockpit alien. C'est ce qu'on va faire, du coup on a sauvé Randy. J'imagine que si on se ratait au Simon Say, ça allait enculer Randy, hein, dans le bon sens du terme. Sonde alien, brochure religieuse. Est-ce que ça fait des dégâts d'électricité? Ouais, genre. Est-ce que ça fait des dégâts d'électricité à la sonde alien? Non. 28 40 x 2 48 67 x 3. Ah ouais, c'est bien mal quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais retirer, ça je vais retirer et je vais le mettre sur ma sonde alien. Toi déjà je vais mettre l'électricité. Évidemment. Ah bah y'a que l'électricité, bah tant pis, on met l'électricité. Du coup on a une sonde alien électrique, regardez, c'est trop beau. Allez. Cristal de puissance blanc. Ah bah c'est ce qu'on avait. Ah ouais, ça servait à arriver au boss. Je peux interagir avec ça, c'est ça? C'est bon? Non? Je peux pas interagir avec? Non? Normalement, ma sonde alien interagit avec ce truc là. Ah non, c'est commande de pote ça, d'accord, je comprends. Voilà, et là ça interagit. Voilà, et là je peux passer. Génial, j'ai tout compris. Trop bien. Ah là, il y a l'espèce de slim bizarre. Slim fluorescent, ouais, c'est ça. Là, crème glacée, potion, cool. Là, avec des écrans. Oh, y'a un team Pokémon. Toi, qu'est-ce que t'es, espèce de coccinelle? Roboxinelle. Team Pokémon. Allez. Allons.
à ce qui est sûrement le boss des aliens, à mon avis. Après ça, on va rentrer chez nous. Ah ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a du coup? Ah, il y a une machine avec eux. À mon avis, il faut buter la machine en premier. Ça me paraît logique. Qu'est-ce qu'elle fait la machine? Ouais, elle les buff. Ouais, elle défense améliorée. Ouais, faut buter la machine avant. C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'elle a la machine par contre? Oh, il faut que je regarde. Peut-être qu'elle a immunisé sur un truc. Donc ils sont tous vulnérables à la foudre. Ils sont tous considérés comme boss. Et ils sont reliés à la matrice. La matrice, qu'est-ce qu'elle a? Immunisé contre magie, gel, contre le feu, immunisé contre tout, sauf à la foudre. La foudre est vulnérable. Donc on va lui faire nos dégâts de foudre là-dessus. Voilà, normalement. Voilà, ça lui a fait bien mal. Voilà, là elle va les buffer, mais là de toute façon on va la buter au prochain coup. Est-ce que je peux pas lui faire mes dégâts de foudre avec mon pistolet à rayon laser qui comme ça touchera peut-être les autres? Je suis pas sûr. Non, ça touche pas les autres, c'est pas grave, elle est morte. Tire de photo à proton, c'est ça? Ah, ça va faire mal ça. Ah non, bon, ça va, je vais éviter, donc pas trop dur. Je vais faire mon sphère de David parce que de toute façon, du coup, ça va vous rebondir l'un sur l'autre et ça fait bien mal. Voilà, ah, ils sont immunisés à la colère, mais de toute façon, il y a pour moi encore une fois. Donc... Ah, je me suis touché une fois, c'est dommage. Et l'inspire de David, cette fois-ci sur l'autre. De toute façon, voilà. Comme ça fait des dégâts un peu à tout le monde. C'est bien. Ouais, ça enlève pas mal. Hein. Ça leur enlève 300 à peu près. C'est cool. Franchement, je. C'est tout ? Ça va. Est-ce que je vais les tuer avec cette dernière attaque ? Peut-être. Ça serait cool. Ah, j'en ai tué un, mais l'autre lui reste 14 points de vie. Ça va, il va mourir au prochain tour. Réglé pour tuer, très bien, je sais ce que c'est. Qu'il en soit ainsi. Il fait quoi il... Ah, il a amélioré. Ah, ok, je suis en flamme, merde. Bordel de merde. Bon, tant pis, de toute façon, je te défonce là, ce coup-là. J'ai pas besoin d'utiliser de potion. Voilà, crève. Allez. Bordel, je suis en feu. C'est quoi cette hôtesse de l'air alien là? Hôtesse visiteur. Wow, c'est bien fait. Alors, elle va s'égrader sur South Park. Ça va être la merde, ça. Ouais. Bah, bravo. Bon, on a fait s'écraser une alien. On peut s'être fait abducter. Et le photo de veau. Ah ouais, merde, c'est le slim vert qui transforme en zombie nazi. Et du coup, à mon avis, ce qui est dans les égouts va être zombie nazi, du coup, on est... Alors, qu'est-ce que c'est? Cinématique. Qui c'est, lui? Yes. Grand méchant du gouvernement. At what d'accord. Location? How many people in the town? Mm-hmm. Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO. On a un autre crash d'OVNI. Évidemment, parce que les crashs d'OVNI, c'est un complot du gouvernement, parce que le gouvernement est au courant, mais il nous le cache, hein, évidemment. C'est ce que montre cette scène. C'est un méchant du gouvernement et il veut qu'on cache le fait qu'il y ait eu un crash alien. Et on se réveille comme ça, du coup, on est sûr que c'est pas un rêve. Enfin, même si on le savait depuis le tout premier épisode de la saison de South Park, on sait que c'est pas un rêve. Mais... Voilà. On est trop beau, on est trop bien habillé, tout ça. Ouais, allez, de toute façon, je changerai ça entre les deux épisodes. Hein. L'épisode, il va se terminer dans pas trop longtemps là. Ouais, voilà. Alors, on va continuer. Je vais dire bonjour à mes parents. Ils sont pas là, ils sont mes parents. Dans la cuisine, sûrement. Papa, bonjour, champion. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, t'es vraiment un salaud. T'es comme les autres qui me disent qu'ils veulent pas être mon ami parce que je suis pas assez populaire. C'est vraiment pas un bon père. Toi. Oh look, you've made friends. I'll be your friend. Tu vas l'air populaire. Ouais, je suis ami avec ma maman. Trop bien, je suis content. Ouais. On va continuer à mon avis. Bah, il y aura une cinématique quand on va sortir pour savoir ce qu'on doit faire. Oh my God. Ah, Cartman. They came out of nowhere. There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Ah, c'est les ovnis. Did you hear about it? All over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Un reportage d'un en culotte. Is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. Rien d'extraordinaire sur the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control, and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. Do you understand?
Et en plus, les elfes ont volé les bâtons. Bon, bah, on a eu un épisode, on a les bâtons. We specifically said no trying to take the ticket now. Des cheaters. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron. Une faction, ok. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Faction to Koopa Keep. Find the Goth kids and give them this letter. On va devoir aller recruter les gothiques. Très bien. To the Drow elves once and for all. Fucking cheaters. Ok. Ouais, pardon. Donc on a une lettre aux gothiques et on va devoir aller chercher les gothiques pour qu'ils se joignent à nous. Et il y a un putain de vaisseau alien. Et c'est le moteur. Il y a un putain de vaisseau alien et il nous faut croire que c'est. Ils nous font croire que c'est juste un Taco Bell qui ouvre. Bon, là, avec les 2-3 minutes qui nous restent, on va essayer de faire juste des quêtes secondaires, au moins une quête secondaire qui nous reste à faire. Là, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Colis de Monsieur Esclave, récupérer le colis. Ben, on va récupérer le colis de Monsieur Esclave. C'est parti. Ah, donc le Team Express, si tout coûte de l'argent, j'étais pas sûr. Du coup, on a de la thune à Timmy. Bien. Timmy, c'est longtemps qu'on avait pas vu. Timmy. Voilà. Alors, le colis de Monsieur Esclave, qu'il va falloir les ramener juste après, bon, ça devrait pas être trop dur à voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a un truc. Ok, une soleil, teinture blanche, toi. J'aimerais discuter, mais tu n'es pas populaire. C'est ça, ouais, t'es comme mon père, de toute façon. Clé de la botte de chef. RIP à chef. Quoi, du bureau d'information? Ah, c'est la musique de montage en fond. Enfin, le montage song, prix postal de McKay. How many car crashes have you been in? Montage. Voilà, donc c'est très bizarre. Il y a une chèvre afghane. What the fuck? Et là, il y a rien? Non. Montage. Voilà. Cette performance de chant exceptionnelle, surtout avec ce micro. Exceptionnel aussi. Monsieur Esclave, t'as mis tout. C'est pas ta maison là. Remets le collier, Monsieur Esclave. Si, c'est là. Bon, on va donner le collier, Monsieur Esclave, et on va s'arrêter là. On va voir ce qu'il va nous donner. Avec un peu de chance, on va level up ou on aura un truc cool. Je sais jamais. Eh hey, monsieur le clochard. Toi, t'es pas zombie nazi, hein. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qu'on a déjà au max, donc tant pis. Ah, d'accord. Bah, ça s'est ouvert au max. Parce que la porte, elle bug. C'est dommage. Il y a un ovni qui est tombé juste devant chez monsieur esclave. C'est triste. Alors, on va lui rendre son colis, on va voir ce qu'il nous donne. On va s'arrêter là. Bonjour. Thanks, kid. Manu s'annonce bien plus belle maintenant. Ouais, bah tu m'étonnes, on a vu ce que c'était. Ouais. If you ever need my help, use this. Ah, c'est une invocation. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again, but give it a day. Ok, donc apparemment c'est une invocation. J'ai beaucoup de cette prévue, évidemment. Sur ce, bah c'était Maria Kouchnen, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on a le choix en clair du coup de Monsieur Esclave. Et on l'a en ami. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de South Park. C'est comme tous, on va recruter les gothiques. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'est Maniac Channel, bye tout le monde. Salut.